C'est pour respecter la décision du gouvernement qui interdit les manifestations de rue que plusieurs commerçants et commerçantes se sont donné rendez-vous dans une cour fermée non loin du marché central de Mandiana. Ces commerçants demandent la destitution de leur président, qui est aussi cumulativement l'administrateur du seul marché de la commune. Ces commerçants l'accusent de la mauvaise gestion du marché depuis 20 ans, comme l'annonce l'un des jeunes révoltés. Payer de l'impôt, c'est obligatoire. Payer les infractions avec contrôle de qualité, c'est obligatoire. Si tu ne payes pas ici, tu vas payer à l'au-delà. Mais notre problème, c'est notre Sambre-là qui est en complicité avec les services pour augmenter les taxes pour qu'ils puissent avoir un pays. Mais avant tout ça, maintenant, notre marché-là, non seulement c'est le président du commerce là encore qui est encore l'administrateur du marché. Et on paye plus de 30 000 par boutique. Mais il ne fait rien, même l'assainissement, rien. L'argent là-bas, on n'est pas contre lui. Mais ce qu'ils ont fait à leur responsabilité. C'est tout dernièrement que l'Assemblée est venue pour me dire que non, moi, ma place dans le marché est trop grande. Et pourtant, je l'ai accepté. Ils disent non, il n'y a pas ça. On va diviser en deux. Moi, je vais prendre une partie. La deuxième partie, là, que ça va revenir à. Il dit, ah bon, oui, il faut être tous au marché ici. Je ne veux pas donner la petite partie là à une et laisser l'autre. Je suis allé les rencontrer encore pour leur plaider. Ils m'ont dit, bon, si je veux avoir encore la deuxième partie, ils m'ont dit de payer 11 millions. J'ai payé 11 millions. Ibrahim Yano. Ibrahim, et puis, ne retard, blague, ne reconnais pas. Moi-même, maintenant, je n'ai pas de durée dans la tête, je n'ai pas de durée. 8 millions? J'ai dit non. Je ne peux pas si la chambre de commerce n'est pas là. La chambre de commerce me demande à la gendarmerie d'arriver. Mais nous, on voit le cas. Mais vous demandez. Et quand j'ai demandé, il me dit non, moi, je fais passer la publicité à la radio. Je fais la promo que je suis le plus grand commerçant et que j'ai le plus petit prix. Et c'est pourquoi, moi, je dois payer une grande taxe. Vous même qu'elle est si vous voulez, nous, nous sommes là. Ce que les administrateurs du marché ont fait à Maya, à Mawa, ils lui ont demandé de rehausser le niveau du livre de sa boutique. Elle a fait ça. Après, le même administrateur est venu encore pour dire que le travail vraiment est bien fait, mais qu'il faut couper la devanture parce qu'ils vont donner ça à une autre personne. Ils ont donné ça à d'autres personnes. Ils ont payé cher. Et surtout les bonnes places pour masquer leur boutique, notre boutique, ils ont donné à leur copine. Rencontré dans sa boutique, le président de la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat a voulu garder le silence. A noter que malgré la recette mobilisable dans ce marché, qui est unique opérationnel dans la commune urbaine de Mandiana, ne verse que 3 millions à la caisse de la commune.